Notre premier invité pour cette édition confinement 2 du Lunch Show, notre cher ami DJ Just Diesel, que nous avons déjà reçu dans le Lunch Show il y a 2 ans, qui virevolte d'habitude entre la France et les US, quoique moins en ce moment. Tout d'abord, et le plus important, comment te portes-tu en cette période, Diesel ? Ça va, la santé, ça va. C'est clair. Je vais pas me plaindre. Ouais, la famille va bien aussi. Oui, la famille va bien, la famille va bien en général, malgré les mauvaises nouvelles qu'on a eues de la famille. C'est clair, on essaie de garder le moral. Pour cette édition spéciale, donc, nous allons poser à peu près les mêmes questions à nos 3 invités, car tous d'univers différents, afin de savoir comment ils restent motivés et confinés. À déjà un mois de confinement qui se prolongera bien plus loin que le 11 mai, contrairement à ce que tente de nous convaincre le gouvernement. Alors j'ai l'impression que ton confinement semble bien se dérouler depuis un mois, Just Diesel. Tu es plutôt bien actif et connecté. Tu sais, hein, moi, j'ai envie de te dire, le confinement, hormis le côté contraignant de la chose, moi, ça ne me dérange pas particulièrement parce que je suis toujours plus ou moins dans ma bulle, en train de faire tous mes trucs de mix et de production. C'est vrai. Donc là, vu que le monde est un peu ralenti, ça te donne l'impression d'avoir un peu plus de temps, quoi. C'est clair, c'est carrément ça. Et puis, cette période, elle révèle des choses intéressantes parce que tu es parmi les premiers DJ français qui a tout de suite été porté par le digital. On avait déjà d'ailleurs collaboré il y a longtemps en organisant des rendez-vous de session de DJ en live, si tu te souviens. C'est quoi ça, 2004, 2006, je sais, c'est clair, 2000, je ne sais même plus quand c'était. Ouais. Donc, et puis aujourd'hui, ceux qui ont loupé le coche en ne s'y mettant pas dans le digital ont du mal à s'en sortir alors que la créativité s'expose sur Internet et sur les réseaux sociaux durant ce confinement. Qu'est-ce que tu voyais déjà à l'époque dans le digital pour un DJ ? J'ai toujours été attiré par tout ce qui est nouveau. Mm-hmm. Donc, par contre, en tant que DJ, tu retrouveras beaucoup de collègues qui sont très réticents en fait par rapport à ça. C'est vrai. Il faut vivre dans l'air du temps. Mmh. Et avec le digital, moi, ce que je voyais, c'est atteindre plus de personnes plus rapidement, plus facilement, avec moins de contraintes. Ouais, c'est clair. Et directement dessus, et voilà, et la preuve, ça a plus ou moins payé. C'est clair, donc, tout à fait. Je n'aurais pas rencontré certaines personnes, je n'aurais pas fait certains voyages. Mmh. Ça a permis à certaines personnes qui ne me connaissaient pas de m'écouter. C'est vrai. Ouais, et en plus, toi qui es non seulement ultra équipé comme on peut le voir dans ton studio et qui organise des rendez-vous mix régulièrement chaque semaine, est-ce que tu as une installation particulière par rapport à d'habitude et liée à ce confinement ou rien n'a changé ? Non, si tu veux, comme tu sais, je fais du live depuis, donc ouais. J'ai toujours été très équipé par rapport à ça. Donc, ouais. Des fois je suis dans le studio, des fois je suis dans le salon, des fois je suis sur la terrasse. Ouais, et puis on te voit mixer. Tous ces bons sons qui nous font plaisir, quel est ton objectif personnel derrière ces lives de confinement ? J'aime mixer tout le temps. Mmh. Donc, que ce soit une personne, 100 000 personnes, ça revient au même pour moi. Tu ne sais jamais. En fait, la musique retransmet beaucoup d'émotions. En fait, tu ne sais jamais ce que la personne qui écoute ressent quand il t'entend jouer. Quoi. Donc, c'est juste parce que tu kiffes. C'est clair. De la bonne humeur aux gens à travers la musique. Me détendre aussi par la musique. C'est une thérapie. Est-ce que cette période a eu un impact sur tes finances puisque tu ne peux plus autant voyager et donc te produire dans les clubs et autres ? Bien sûr, avant la date officielle, avant le 16 mars, j'ai eu 9 événements annulés déjà. Waouh ! Aux États-Unis. Ouais. Au Moyen-Orient. Mm-hmm. Tu vois ? Ouais. Sans compter ceux de la France après. Donc, bien sûr, l'impact, c'est du lourd. Ouais. Surtout que je vis de ça, tu vois. C'est ça, exactement. J'ai failli être coincé aux États-Unis sans ma famille. Ouais. Oh, waouh. Et du coup, est-ce que ces personnes qui t'avaient booké, est-ce qu'elles t'ont booké sur le digital au niveau de ça ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu trouves justement maintenant des choses ? Il y a certaines choses qui sont en cours. Moi aussi, je démarre certaines personnes. D'accord. Il y a des personnes qui, malheureusement, pour elles aussi, ont subi cette crise, donc ouais. Ce serait un peu, sinon pas de moyen que de rebondir, c'est un peu dépassé de rebondir, tu vois. Ouais, bien sûr. Et comment restes-tu motivé créativement en dehors de mixer ? Est-ce que tu fais des choses particulières ? Qu'est-ce qui te donne envie de continuer chaque jour ces sessions ? Je ne saurais te répondre parce que j'ai toujours la même envie au début, en fait. Dans ma tête, je suis un éternel rookie, un éternel apprenti. Je confirme. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à améliorer.
toujours en train d'écouter. J'écoute tous les DJ, j'écoute tout le monde, j'écoute des niveaux sans tout le temps, je cherche. Donc, j'ai jamais perdu la passion, la motivation. Ouais, je suis d'accord. Pas, franchement, pareil, pas plus ou moins. Au contraire, plus même. Je dirais même plus maintenant parce que tu as plus envie de jouer parce que tu ne sais pas quand tu en joueras en public. Je ne pense pas que ce sera avant octobre. Je sais que tu développes la production depuis quelques temps. Est-ce que tu as des projets en cours de sortie à annoncer à nos auditeurs, Diesel? Oui, j'ai un morceau avec Harry Lennox qui va sortir bientôt. Avec Guatélé et un rappeur camerounais qui s'appelle Ténor. Ouais. Et un autre morceau aussi avec une chanteuse camerounaise qui s'appelle Charlotte Spanda. D'accord. Un rappeur camerounais qui s'appelle Kilamène et le regretté Manu Dibango. Ah, oh, waouh, ouais. Qui a subi ce Covid justement aussi. Ouais. Donc tu vas les sortir prochainement? Comment ça se passe? On pourra les. Ouais, j'attends d'avoir que la crise se calme. Oui, oui, oui. Et ensuite on fera des clips et ensuite on sortira les morceaux. Génial! Une nouvelle aventure pour toi, en tout cas, de façon publique. Quels sont tes plans à la sortie quand nous serons sortis de tout ça? Oui, il y a des trucs qui sont prêts, mais ça dépend de la date. Ouais. Mais au niveau personnel, attendre. Attendre. Et bien observer, parce que je ne suis pas sûr que la première sortie sera la bonne. Ouais. En essayant d'être réaliste. Oui. Les pays qui est autour, sortir du confinement de façon progressive, oui. Pouvoir voyager ensuite après, autour, il y a moins de menaces. Oui. Ça va être très compliqué, je trouve. Oui, c'est vrai, parce que toi, c'est plutôt le voyage. Donc, si nous, en France, nous sommes déconfinés et que tu vas dans un pays qui ne l'est pas, c'est plus délicat. Voilà, donc vraiment, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est que dans ces temps-ci, en fait, on focalise trop sur le passé ou bien sur le futur, on oublie de vivre au présent. Donc pour l'instant, je vis au présent. D'accord, ok. Quels sont les prochains rendez-vous live sur lesquels on peut te trouver et sur quelle plateforme on peut t'écouter? Le week-end, ce sera surtout plutôt vers midi, en fait. D'accord. Parce que je pense à tout le monde, même un peu plus tôt. Ouais. Je pense aux gens qui font le ménage, qui font du sport chez eux et tout. C'est vrai. Parce qu'en général, les gens, ils jouent. Il y a beaucoup de live en soirée, mais pas assez en journée, je trouve. C'est vrai.